Madame, monsieur, bonsoir. Merci d'être à nouveau nombreux à regarder ce programme. Vous le savez, c'est Entretien avec. Et ce jeudi, nous espérons avoir un entretien assez spécial, tout au moins dans sa forme. Vous le savez, d'habitude, on reçoit un invité. Et ce soir, nous avons choisi de faire un entretien croisé, d'où le décor qui est d'ailleurs un peu différent. Cela dit, vous êtes sans ignorer qu'en application des dispositions des articles 16, 17, 9 et 18, 9 du décret 93-036 du 29 janvier 93, portant organisation administrative et académique de l'université de Yaoundé 1 et un ensemble d'autres textes, le conseil de discipline, hein, du moins le ministre de l'enseignement supérieur a décidé de suspendre de façon temporaire de ses fonctions pour une durée de 4 ans le professeur Jean Baybeck, maître de conférence, enseignant à la faculté de médecine et des sciences biométriques, biomédicales de l'université de Yaoundé 1 pour insubordination et comportement violent, acte constitutif d'atteinte à l'éthique, la dignité et la déontologie universitaire. C'est dans ce cadre donc que nous avons choisi de faire cette émission. D'ailleurs, avant d'aller dans le fond, je voudrais faire un certain nombre de clarifications. Nous avons donc pour ce plateau contacté le professeur Pierre Baybeck le vendredi, samedi dernier. Nous étions le 11 juin. On l'a invité dans un premier temps pour l'émission de débat Carte sur table, au cours de laquelle on avait souhaité associer un certain nombre de panélistes. Dans ce cas-là, le professeur Baybeck nous a dit qu'il souhaitait avoir comme vis-à-vis essentiel le recteur de l'université de Yaoundé 1, le professeur Maurice Aurélien Sosso. Nous lui avons donc proposé cette autre émission, entretien, au cours de laquelle on s'est engagé à contacter le professeur Sosso pour qu'il soit présent. Et lundi donc, nos équipes de Yaoundé sont allées à l'université de Yaoundé rencontrer le professeur Sosso. Malheureusement, il était pris par les préparatifs, vous le savez également, de la cérémonie de réception et d'inauguration de la nouvelle salle de cinéma à l'université de Yaoundé 1. Donc il n'a pas pu nous recevoir, on s'est fait recevoir par le vice-recteur de cette université, le professeur Daniel Angbois, qui nous a accordé une interview de 5 minutes. Alors, nous avons rappelé le professeur Baybeck et on lui a dit, voici le contexte, on a une interview de 5 minutes. Et le professeur Baybeck nous a dit qu'il sera présent ce soir seulement. En soirée, le professeur Sosso nous recontacte à nouveau et nous confirme qu'il viendra. Seulement, compte tenu de ses multiples occupations, il se fera représenter, ce que nous avons de suite accepté. Alors le professeur Baybeck, par la suite, mis au courant de cette autre évolution dans nos démarches, le professeur Baybeck a simplement dit « ce sera le professeur Sosso ou rien ». Mais dans notre volonté de savoir réellement ce qui s'est passé ou ce qui se passe dans le cadre de cette suspension, les contours de cette décision, et surtout pour édifier nos téléspectateurs que vous êtes, nous avons donc décidé de faire cette émission avec les protagonistes suscités. Donc, hier, pratiquement à minuit, nous avons reçu du professeur Sosso le nom de son représentant sur ce plateau, qui est d'ailleurs déjà présent. C'est le professeur Bob Oyono, Jean-Marie, qui lui également est chirurgien pédiatre. Il travaille au centre, du moins à l'hôpital central, de Yaoundé, donc un collègue du professeur Baybeck. Il est par ailleurs également enseignant. Hein. Enseignant, chef de département de chirurgie et spécialité. D'accord. Alors, lorsqu'on a dit au professeur Baybeck que M. Bob Oyono sera là, il nous a dit qu'il ne viendra pas. Et jusqu'au moment où je vous parle, peut-être la caméra va nous montrer ce fauteuil vide. Le professeur Baybeck a simplement, du moins pour l'instant, il est encore absent. On verra d'ici la fin de l'émission s'il sera présent sur ce plateau. Cela dit, nous allons néanmoins démarrer l'émission et essayer de comprendre ce qui se passe dans cette affaire. Ces clarifications faites, je vous dis donc bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Bienvenue à STV. Bienvenue. Merci. À cette émission Entretien sur un format assez spécial. Avant de rentrer dans le fond, j'aimerais peut-être qu'on parle d'abord du contexte, peut-être le cadre juridique.
Si on s'intéresse à l'instance qui a décidé de cette forte et lourde suspension, c'est d'ailleurs pas pour courant, 4 ans en suspension pour un enseignant, par ailleurs chirurgien. Quel est le cadre juridique du conseil de discipline qui a proposé cette décision au ministre de l'Enseignement supérieur? Alors, le conseil de discipline dans lequel a été traduit le professeur Baïbec obéit à des dispositions réglementaires qui sont définies par un certain nombre de textes. Et 4 textes ont donc été utilisés pour préparer ce conseil de discipline. Le décret numéro 93/036 du 29 janvier 1993 portant organisation administrative et académique de l'Université de Yaoundé 1. Le décret numéro 93/035 du 19 janvier 1993 portant statut spécial des personnels de l'enseignement supérieur. Le décret numéro 93/027 du 19 janvier 1996 portant dispositions communes aux universités. Tous ces décrets sont donc relatifs à l'université. Et pour tout ce qui n'était pas dit dans ces décrets, on s'est référé au décret numéro 74/138 du 18 février 1974 portant statut général de la fonction publique. Ce sont ces 4 textes réglementaires qui sont le socle de ce conseil de discipline. Alors, et qui sont les membres en tant que les personnalités qui siègent dans cette institution-là? Alors, les personnalités qui siègent, le président, c'est le chef de l'institution, c'est-à-dire le recteur. Et il y a le chef de l'établissement, c'est-à-dire le doyen de la faculté de médecine. Il y a 2 enseignants de la dite faculté. Il y a le représentant du ministère de l'Enseignement supérieur. Il y a le représentant du ministère de la fonction publique. Et je crois que je n'en nommais pas. De toute manière, la composition du conseil est bien définie dans les textes dont je viens de parler. Voilà. Maintenant, venons-en au fait. Quel est le process qui a conduit à la suspension du professeur Jean Baïbec à 4 années de suspension, une décision prise par le ministre de l'Enseignement supérieur en personne? Ce que l'on va peut-être appeler désormais l'affaire Baïbec est l'aboutissement d'un long processus d'impunité et de tentative de conciliation qui n'a pas porté, et c'est pour ça que finalement on est arrivé à proposer la traduction du professeur Baïbec au conseil de discipline. Depuis de longues années, le professeur Baïbec a, pour ainsi dire, perturbé le fonctionnement du département de chirurgie et spécialité, et singulièrement celui de la faculté en général, par différents comportements déviants qui portent notamment sur le fait pour lui de n'accepter aucune autre autorité que la sienne propre, de prendre en otage pour cette désobéissance les apprenants qui sont placés sur lui, d'édicter des règles de fonctionnement qui lui sont personnelles et que personne ne reconnaît, et finalement de n'accepter aucune des règles reconnues dans les institutions universitaires. Ceci se traduit par des comportements de violence à autrui, lorsque de violence verbale, morale, vis-à-vis des personnes qui l'entourent et qui sont donc de nature à troubler la sérénité de l'établissement. Alors vous dites que c'est un processus qui date. À partir de quel moment, je veux dire, est-ce que le professeur Baïbec a été dans un premier temps rappelé à l'ordre? Est-ce qu'il a eu des injonctions? Est-ce que je présume que le conseil de discipline ne s'est pas assis dès la première infraction? Absolument pas. Depuis plusieurs années, le professeur Baïbec a fait l'objet d'un certain nombre
de procédures disciplinaires qui n'ont pas toujours abouti, notamment j'ai là une demande de sanction qui a été formulée par un doyen il y a de cela plusieurs années. Sanction disciplinaire du professeur Jean Baébec à monsieur le recteur. Il s'agissait d'une demande de sanction qui était motivée par le fait que le professeur Baébec venait de tenir des propos discourtois à l'endroit du doyen et avait notamment perturbé le fonctionnement d'un conseil de recrutement des assistants en allant faire irruption dans la salle et tenir des propos véhéments à monsieur le recteur de l'époque. Bon, j'ai une autre lettre ici où un directeur de l'hôpital central, vous savez que l'hôpital central est un hôpital hospitalo-universitaire, et bon nombre de choses qui se passent à l'hôpital sont des activités académiques. Et ce jour-là, le 11 mars 2009, le directeur de l'hôpital central écrivait ceci à M. le ministre de la Santé. Ce jour, mercredi 11 mars 2009, est devant témoin, je viens d'être insulté publiquement par M. le professeur Baébec Jean. C'est comme ça qu'il commence à l'être. Des comportements comme ceci sont multiples. Et c'est le terme de tout cela qui aboutit donc à ce conseil de discipline. On pourrait dire que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. À partir de quel moment elle a commencé à être saisie par l'instance disciplinaire? Quand on regarde son dossier disciplinaire, ça date de très longtemps. Il faut dire que le professeur Baébec est un personnage un peu spécial. On se souvient que dans ses comportements étranges, alors qu'il avait, je crois, 3 mois de doctorat de médecine en poche, on se retrouve en Assemblée générale de l'Ordre des médecins et il se porte candidat pour être président. Il a fallu qu'on le gronde pour qu'il aille retirer sa candidature et c'était contre qui? Contre le professeur René Somba. Pourquoi? Parce que quand on a 3 ans, on n'a pas le droit à être candidat à cette instance-là? Je crois que ce n'est pas un médecin de 3 ans qui peut présider aux destinées d'un ordre. Ce sont les règles de fonctionnement ou alors... Ce sont les règles de logique pure. C'est-à-dire que quand vous voulez diriger un métier, une corporation, vous devez être quelqu'un de bien trempé là-dedans. Et ce n'est pas quand vous avez 3 mois que vous pouvez sortir de l'école que vous pouvez le faire. Peut-être que le professeur Baébec estimait effectivement qu'il est suffisamment armé, il est suffisamment... C'est justement pour ça que je dis que c'est un personnage un peu spécial qui a des ambitions qui quelquefois peuvent paraître démesurées par rapport à ce qui est la réalité de ce qu'il possède. Je dis ça comme ça, qu'il est un peu spécial. Alors, dans la foulée, dans cette procédure-là, il y a quand même que le professeur Baébec encadre un certain nombre d'étudiants. Donc, 5 pour... du moins, il y a des étudiants qui ont été également sanctionnés, dont le professeur était l'encadreur académique. Et ces étudiants ont fait des requêtes. Ils ont interpellé les autorités, mais jusqu'à ce jour, certains ont pris 2 ans de suspension dans cette affaire. Dégâts collatéraux ou simplement véritable volonté de nuire à toute action du professeur Baébec? Non, je crois que c'est un processus déviant qui perturbe la faculté qui est indexé là. De quoi s'agit-il? J'ai parlé d'une goutte d'eau qui fait déborder le vase. En début de cette année académique, le professeur Baébec, en l'absence du responsable pédagogique du cycle d'orthopédie, tient une réunion où il programme les rotations des apprenants dans les services. Mm-hmm. C'est-à-dire toute prérogative qui ne lui revient pas, parce que ça faisait déjà 2 ans qu'il avait été démis de cette fonction. Et c'est rien que sur ces directives-là que les gens en question veulent fonctionner. On peut rappeler que l'année d'avant, c'est-à-dire l'année dernière, ces mêmes résidents ont boycotté les examens de fin d'année sur les prescriptions du professeur Jean Baébec.
marchant sur les directives au contraire du doyen. Le doyen est venu leur demander de composer, de faire l'examen. Ils n'ont pas voulu. Et quand le doyen a annulé une première session de l'examen et reprogrammé une autre, pendant qu'ils étaient en train de composer la deuxième session, le professeur Jean-Marie est venu entrer dans l'amphi, leur a ordonné de sortir et ils sont tous sortis, à l'exception d'un seul candidat qui est une dame et qui est la seule à avoir été admise. Alors, il y a eu une série de démarches disciplinaires sur cette affaire et finalement, pour pouvoir pacifier la situation, on a passé l'éponge dessus et nous recommençons donc la nouvelle année. Au cours de la nouvelle année, intervient cette affaire de rotation dans les services où le professeur Baïbek a déjà fait son programme à lui, qui contredit le programme du responsable nommé. Donc c'est tout ceci qui aboutit donc à ce conseil de discipline qui intéresse d'abord les étudiants qui sont sanctionnés, puis ensuite le professeur Baïbek. Parce que dans la foulée, il écrit au ministre de l'Enseignement supérieur pour dire que la programmation faite par le doyen vient troubler l'harmonie établie. Donc l'harmonie établie, c'est ce que lui, Baïbek, a programmé. Mais de droit, je veux dire, en tant qu'encadreur, il n'avait pas ce droit ? Absolument pas. Il y a un responsable pédagogique qui seul doit définir le fonctionnement du cycle. Maintenant, il peut prendre les avis des autres. Mais il n'est pas lié par ses avis. Alors, on sait également que le professeur Baïbek est un homme politique et qu'évidemment, la question ne peut pas être éludée. Est-ce que ces sanctions n'ont pas de relent politique ? Absolument pas. L'université est apolitique. En tout cas, dans notre fonctionnement, nous n'avons jamais eu à voir avec la politique. Donc, pour vous, les contours de cette affaire, c'est simplement d'ordre disciplinaire. Nous sommes vraiment dans le domaine académique. Bon, maintenant, sanctionner un enseignant de ce rang, maître de conférence, est-ce que je veux dire, l'université elle-même ne se tire pas, il n'y avait pas une autre possibilité d'être ramené le professeur à de meilleurs sentiments, possibilité de trouver un moyen pour ne pas se priver d'une telle compétence? Vous savez que le professeur Baïbek a déjà fait l'objet de multiples démarches de retour en arrière. Notamment dans son dossier, on voit de nombreuses lettres d'observation qui sont en fait des lettres de conseil pour lui donner une conduite à tenir différente de celle qui a abouti à cette situation. Et l'exercice auquel je me prête aujourd'hui est un exercice assez douloureux parce que le professeur Jean Baïbek et notre élève depuis les études médicales. Vous l'avez encadré ? Comme étudiant en médecine d'abord, puis comme résident de chirurgie. Vous comprenez que ce n'est pas de cœur joie que je me prête à cet exercice, parce que c'est une manière de constat d'échec en sa personne. Était-il le même étudiant ? J'ai déjà dit tout à l'heure qu'il était un peu particulier. Bon, mais à l'époque des études médicales, je ne lui ai pas vu ces tendances un peu violentes, un peu condescendantes d'aujourd'hui. Je ne sais pas, quelque chose a dû lui monter dans la tête entre-temps. Alors, quels sont les rapports, je veux dire, indépendamment de ce que l'un est recteur et que l'autre est maître de conférence à la même université? Quels sont les rapports entre le professeur Baïbek et le recteur de l'Université de Yaoundé 1, le professeur Maurice Sosso? Je sais que le professeur Maurice Sosso s'est beaucoup impliqué dans le devenir du professeur Jean Baïbek. À quel niveau et à quel titre? À quel niveau? Je peux vous dire, par exemple, lors du concours d'agrégation qu'a passé le professeur Jean Baïbek. Le professeur Jean Baïbek n'était pas... Pour passer le concours d'agrégation du CAMES, il faut être maître assistant du CAMES avant. Il ne l'était pas. Alors, l'État camerounais a commis un enseignant influent pour aller négocier cette situation auprès du CAMES, pour que le dossier puisse passer. Et la personne qui a été désignée, c'était le professeur Maurice Sosso, en raison
des liens qu'il avait avec le professeur Jean Bailey. Et il a négocié avec succès, et c'est comme ça que le dossier est passé. Alors, mais pourquoi, je veux dire, pourquoi j'ai failli autant d'acharnement, pourquoi autant de confrontation entre les deux hommes? Il n'y a pas de confrontation, c'est comme ça. Parce que pour le professeur vraiment, et d'ailleurs c'est l'un des arguments pour lui qui éventuellement justifierait son absence ce soir. Le professeur Baïbek dit que lui, ce n'est pas une affaire entre Baïbek et l'université de Yaoundé, mais c'est une affaire entre Baïbek et Maurice Aurélien Sosso. Donc pour lui, c'est une affaire personnelle. Vous comprenez, si ça devient une affaire confidentielle, à ce moment, je suis mal placé pour... C'est pour ça que j'essaye de faire un peu l'historique des relations ou des rapports, peut-être... Nous n'avons jamais vu au niveau du département de chirurgie d'antagonisme entre le professeur Sosso et le professeur Baïbek. Au contraire, nous avons vu des confrères de deux âges différents qui cheminaient de façon convenable ensemble. Que le professeur Sosso soit allé plaider au niveau du CAMES, certes, envoyé par le gouvernement en faveur du professeur Baïbek, montre bien qu'il était bien disposé. Et quand le professeur Baïbek revient, c'est le professeur Baïbek qui a géré toutes les choses qui concernent la chirurgie. C'est lui qui a piloté le journal du département. C'est lui qui a... Bref, il n'y a pas... sauf si c'est une affaire d'homme à homme. Et là, ça devient une autre affaire. Et d'ailleurs, le professeur, Jean Baïbek accuse Maurice Aurélien Sosso de plagiat. Il aurait plagié ses travaux. Cette histoire de plagiat est étrange, parce que j'ai un peu entendu cette affaire. Plagiat de quoi? Il aurait plagié quoi? Ses travaux d'encadreur, en tant qu'encadreur auprès d'un certain nombre d'étudiants. Le travail qui est encadré par un responsable appartient à l'apprenant. Ce n'est pas le travail de l'encadreur. Que quelqu'un soit responsable. Déjà même, lorsque le professeur Baïbek lui-même faisait son mémoire de fin de formation en chirurgie, son encadreur, c'était le professeur Sosso. Et c'était un mémoire d'orthopédie. Aujourd'hui, il dit qu'il n'est pas qualifié du tout. Or, le mémoire de Baïbek a été encadré par le professeur Sosso. Quand Baïbek fait des publications scientifiques, 80% des publications de Baïbek ont pour dernier auteur Maurice Aurélien Sosso. Et le dernier auteur dans le panel des auteurs, c'est celui qui est la caution scientifique de l'article. C'est-à-dire quand on a 10 co-auteurs, le dernier, c'est lui qui est la caution scientifique. C'est-à-dire c'est lui qui fait l'autorité scientifique de la publication. Et 80% des publications de Baïbek ont pour dernier auteur Maurice Aurélien Sosso. Je ne comprends pas cette histoire de plagiat. Donc pour vous, simple accusation. Alors l'affaire est portée également devant les tribunaux. Bon, encore une bizarrerie. Est-ce que les affaires de l'université vont au tribunal? Nous sommes dans un milieu scientifique. Pourquoi pas, si ces affaires sont susceptibles de troubler l'ordre public ou alors de... de mettre à mal un justiciable, il est quand même légitime que... J'ai déjà dit là que ce sont les étudiants qui auraient pu se plaindre, et je ne sais pas de quoi. Les étudiants ne se plaignent pas, mais c'est quelqu'un qui dit qu'il aurait été l'encadreur normal et qui aurait été conduit, qui se plaint. C'est un peu curieux. Cette affaire n'a pas de sens. Alors, désormais, donc, le professeur Baïbek est suspendu. Est-ce que, je veux dire, pour vous, la sérénité est revenue? Si tant il est vrai qu'il était le caillou dans la chaussure. Chef de département, je peux dire que quand Baïbek n'est pas dans une réunion, la réunion est sereine. Je vous parle, nous avons une réunion deux fois par mois. Toutes les réunions où, depuis que moi je suis chef de département, toutes les réunions où Baïbek a été présent ont été houleuses. Et
Les seules réunions qui ne l'ont pas été, c'est celles où il était absent pour différentes raisons. Alors, il est par ailleurs, hein, on l'a dit, personnel au niveau de l'hôpital central de Yaoundé. Comment ça se déroule là-bas? Bon, au niveau de l'hôpital central de Yaoundé, Baïbek est chef d'un des deux services d'orthopédie de l'hôpital. La question qui peut se poser, c'est pourquoi deux services d'orthopédie dans un seul hôpital, dans un même hôpital? Cette scission du service d'orthopédie de l'hôpital en deux services était justement liée pour parer un certain nombre de déviances. L'orthopédie est un domaine qui est très couru par les malades, parce que surtout dans son volet traumatologie, parce que les fractures sont multiples, les malades sont mis à mal, et souvent pris en otage par les praticiens. Par exemple, à l'hôpital central, j'ai vu un rapport du directeur de l'hôpital qui fait état du volume de malades qui ont été opérés dans le service du professeur Baïbek au cours de l'année 2015. Il se trouve que le professeur Baïbek lui-même aurait opéré 12 malades en un an. 12 malades en un an, quand on sait l'affluence qu'il y a dans ce domaine, c'est faible. En réalité, c'est parce que ces malades sont opérés hors de l'hôpital. Donc, vous comprenez qu'un directeur d'hôpital ne peut pas être d'accord avec ça. Vous laissez entendre qu'il y a eu des tournements de malades? Je le dis même clairement, je ne le laisse pas entendre. Une accusation grave, hein, professeur. Mais nous parlons de choses graves, c'est pour ça qu'il y a une suspension. Alors, vous dites que le service a été scindé. Ça veut dire que de façon exceptionnelle, on a dû adapter l'environnement de travail à l'humeur d'un individu. Lorsqu'il y a une situation déviante, l'autorité a le devoir de protéger la population. L'hôpital central est un hôpital social, à caractère social, où viennent les gens qui sont démunis. Il faut qu'ils trouvent à l'hôpital les conditions qui permettent leur prise en charge. Si ces conditions ne sont plus réunies, la direction doit prendre des mesures. Et justement, pour ne pas sanctionner prématurément ou trop sévèrement quelqu'un, on préfère diviser un service pour laisser quand même là un service où les gens peuvent trouver leur bonheur, même si l'autre service ne marche pas de façon idéale. Moi, je peux vous parler, par exemple, de ce que moi je suis responsable du service des urgences chirurgicales à l'hôpital central. Je peux vous parler de ce que je vis concernant les fractures ouvertes. Les fractures ouvertes, selon les prescriptions faites par le professeur Baïbek dans son enseignement, ne doivent pas être nettoyées sans être fixées. Quand un malade a cassé son os et que c'est ouvert, la plaie est souillée. Il faut nettoyer la plaie. Idéalement, il faut nettoyer la plaie et refixer l'os. Mais souvent, les malades n'arrive pas à accéder aux frais de la fixation. Parce que pour fixer, les orthopédistes ont un fixateur externe. Et ce fixateur externe, à l'heure d'aujourd'hui, se négocie entre les malades et les orthopédistes autour de 150 000, 200 000 francs. Les malades arrivent, ceux qui sont démunis ne peuvent pas avoir les 200 000. Mais ils ont une lésion ouverte. Si elle n'est pas nettoyée, elle va s'infecter. C'est un taux officiel ou alors C'est un taux de négoce. C'est de la pratique parallèle. C'est les orthopédistes eux-mêmes qui ont le matériel et c'est eux qui le vendent aux malades. Alors, si vous ne nettoyez pas cette lésion, l'infection va s'installer et peut évoluer vers la gangrène. Quand vous faites un enseignement qui consiste à dire qu'il ne faut pas nettoyer sans fixer absolument, c'est-à-dire tant que vous n'avez pas les moyens de fixer, vous ne nettoyez pas, vous comprenez que vous allez vers la gangrène. Et ça devient alors une arme contre une arme de coercition pour le malade en lui disant attention, si tu traînes trop, ça va se gâter. Il y a un peu de sadisme là-dedans.
Mais alors, le professeur, donc, sous sa casquette d'enseignant, vous l'avez suspendu, mais il continue d'exercer comme chirurgien. Oui, il continue. Il n'a pas été suspendu comme chirurgien. Il n'a pas été. Mais je crois que l'administration qui a ses rouages saura tirer les conséquences d'une suspension. Il est donc fort probable que de l'autre côté également, pour les faits qui lui sont reprochés à l'université, ça pourrait le suivre. Je crois qu'il y a des responsables en place qui vont savoir exploiter les choses selon les textes en vigueur. En ce moment, quel niveau est la procédure judiciaire? La procédure de justice, là? Oui. Bon, j'entends qu'il y a des procès. Je ne suis pas cette affaire de près. J'entends qu'il y a des procès. Vous parlez du procès sur le plagiat? Exactement, entre autres. Hein. Oui, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire l'état de cette procédure. Mais non, les apprenants qui ont été suspendus, j'ai pu observer quand même qu'il y a un certain nombre, sinon tous, qui ont fait des recours auprès des instances supérieures. Y a-t-il lieu d'espérer? Je veux dire que si vous-même vous avez identifié le mal comme étant le professeur Maybeck, pourquoi ne pas éventuellement sauver ces enfants de ce dilemme-là? Bon, on parle d'enfants, mais il faut savoir que c'est des médecins. C'est des gens qui ont leur doctorat de médecine, qui ont prêté le serment d'Hippocrate. Donc, ce sont peut-être des cadets dans la profession, dans la spécialité, mais ce sont des médecins, c'est-à-dire des personnes responsables. Nous sommes devant un dilemme, c'est-à-dire entre des gens qui ont été contaminés par un virus qui va assurer la réplication de quelque chose de terrible. Être trop passif, trop conciliant aussi, donne l'impression qu'on a le droit de faire un certain nombre de choses. À un moment donné, je crois qu'il faut savoir dire halte et puis que les gens s'arrêtent. Donc pour vous, la sanction qui a été prise doit être aussi didactique? Je crois qu'elle est didactique, je crois qu'elle est salutaire, je crois que pour eux-mêmes, elle va être utile, parce qu'un médecin doit aussi apprendre à être discipliné. Alors, au cours des assises de ce conseil, il y a un certain nombre d'enseignants qui étaient également concernés par les procédures. Je crois qu'ils étaient 7 au départ. Hein. J'ai entendu parler de 7. 7. Et seul le professeur Maybeck a été suspendu. Est-ce que justement on ne peut pas, en réfléchissant à haute voix, se dire qu'il en était la cible? D'autant plus que les griefs qui sont également reprochés aux autres enseignants ne sont pas des faits légers. Bon, je ne connais pas les autres dossiers passés. Moi, je connais bien le dossier du professeur Maybeck parce que c'est un enseignement du département de chirurgie et spécialité. Votre département. Dans le sud. Donc, les autres dossiers, je ne les connais pas bien. Et puis, quand un conseil siège, il y a un panel de sanctions qui sont prévues. On n'est pas obligé de donner la même sanction à tout le monde. Donc, le ministre de l'Enseignement supérieur qui a signé cette décision, pour vous, n'a pas été conduit dans l'erreur? Moi, je peux vous dire, comme chef de département de chirurgie, que cette sanction était demandée depuis longtemps au niveau du département. Et personnellement, j'ai écrit que le professeur Maybeck jouit d'une impunité qui est garante de récidive. Je l'ai écrit à la hiérarchie plusieurs fois, pas une seule fois. Alors, vous relevez donc effectivement, ça veut dire qu'avant le professeur Soso, les recteurs précédents n'étaient pas suffisamment fermes vis-à-vis de Jean Maybeck? Je crois qu'ils ont voulu amener quelqu'un à changer. Ils n'ont justement pas voulu taper trop fort tout de suite, ce qui est le reproche d'aujourd'hui. Alors, le professeur Soso a plutôt choisi de taper fort. Mais je crois qu'il a finalement choisi de taper, puisque certains de ses. Il les a gérés en douceur, il a donné des conseils. Même lors du conseil de discipline en question, il a interpellé le professeur Maybeck. Ça, je le sais parce que j'ai lu le PV. Et quelle était l'attitude ou les réponses du professeur Maybeck? Elle a été totalement non réceptive. Elle aurait été totalement. Si j'en crois ce que je lis dans le PV. Entre l'audition de l'interpellé et la décision, combien de temps se sont écroulés?
Je crois que le grand souci, c'est d'être conforme au texte. Il y a un délai que l'on fixe durant lequel la décision doit être annoncée. Je crois qu'elle a été dans ce délai-là. Parce que l'une des autres réclamations du professeur Baïbec dit n'avoir pas été saisi justement des éléments le conduisant devant ce conseil de discipline. Non, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Là, j'ai le mot. Je dois faire appel au mémo pour dire que la procédure a été strictement respectée. Voici la procédure. La première étape, le chef de l'institution saisit le conseil de discipline. Mm-hmm. Ça a été fait, la pièce est jointe. Le rapporteur institue l'affaire, il entend la mise en cause. Ça a été fait. Et justement, quand il a été question d'entendre le professeur Baïbec, il a lui-même sollicité qu'il se fasse entendre, qu'il fasse une déposition écrite. Mm-hmm. On lui a adressé un questionnaire et il a décidé de ne pas répondre. Mm-hmm. Donc, mais ça lui a été donné par l'huissier et ses pièces sont dans le dossier. Mm-hmm. Ensuite, l'enseignant mis en cause a la possibilité de se défendre. Nous avons l'acte de constitution d'un avocat qui est dans le dossier. Le rapporteur rédige le rapport d'instruction. Il le remet au président du conseil de discipline. Tout cela a été respecté. Le président du conseil de discipline convoque la tenue du conseil. Ça a été fait. Le texte traduisant l'enseignant lui est notifié. Ça a été fait. Et c'est dans le dossier. La convocation à se présenter devant le conseil de discipline signé du président du conseil est notifiée. Ça a été fait. Et alors, toutes les étapes ont été respectées jusqu'au prononcé de la décision. Mmh. Donc, dire qu'il n'avait pas été au courant de ceci ou cela, c'est vraiment de l'amour. Au-delà du conseil de discipline, quelle est la voie de recours? Je crois qu'il s'agit, enfin, je ne suis pas juriste, je crois qu'il s'agit d'une décision de l'administration. Je crois qu'il y a un tribunal administratif. Tribunal administratif. Voilà. Tu livrais. Et puis, il a un avocat. Je crois que l'avocat est bien placé pour savoir les voies de recours. Est-ce que le professeur Baïbec peut espérer éventuellement, s'il revient à de meilleurs sentiments, selon vous, bénéficier de toutes les voies de recours, du moins bénéficier éventuellement des circonstances atténuantes pour que sa peine soit, à défaut d'être annulée, peut-être réduite. Enfin, moi, je ne sais. En fait, c'est pas moi qui suis aux affaires pour ça. Mais ce que je sais, c'est que le professeur Baïbec est un enfant qui a été bien encadré pour avancer. Je vous ai parlé de comment il s'est présenté au conseil, au concours d'agrégation. Il ne remplissait pas toutes les conditions. Mais ce qui est embêtant, c'est que, et c'est là où on a l'impression que nous sommes dans un scénario du type Frankenstein, que vous fabriquez quelque chose et puis la chose tourne et commence à vous dévorer les uns après les autres. Parce que le professeur Baïbec a bénéficié de toutes les facilités pour pouvoir avancer. Mais une fois qu'il a avancé, tous ceux qui l'ont aidé à devenir ce qu'il est, ils commencent à les détruire les uns après les autres. Et si vous le dites, M. Prisson peut également donc penser que le professeur Baïbec a bénéficié du favoritisme. Je ne peux pas dire que ce soit du favoritisme. Je dis que lorsque le Cameroun a ouvert une université, veut faire des spécialités, et que nous n'avons pas d'orthopédiste, il est normal que si quelqu'un est là, qu'on essaie de le pousser. L'université de Yaoundé a été faite comme ça. Tous nos premiers professeurs sont passés professeurs, je dirais presque du jour au lendemain, pas avec le parcours normal, strictement normal. Et c'est le cas du professeur Baïbec. Parce que le professeur Baïbec, aujourd'hui, il se prévaut de l'orthopédie. Il est supposé que, en dehors du diplôme de chirurgie générale qu'il a, il aurait dû faire au moins 3 ans et demi d'orthopédie pure. Il n'en a pas fait. Ce qui n'est pas le cas. Et puisque j'ai son CV ici. Donc dans son cursus, il y a des soucis. Mais puisque j'ai son CV, je l'avais quelque part, je peux vous lire des choses qui ne sont pas tout à fait. Ce n'est pas du favoritisme, c'est que comme il y a un besoin, on ouvre les portes à celui qui est le mieux disposé à faire quelque chose. Par exemple, quand je lis son CV, je vois que
traumatologie de l'appareil moteur. Il aurait fait ça deux semestres à partir du 1er octobre 1993 jusqu'au 30 mars 1994. Bon, à la même période, ça, il était censé être en Suisse. À la même période, du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1994, il était en même temps à l'hôpital général de Yaoundé. Voici son CV écrit par lui-même. Est-ce qu'on peut avoir un don d'ubiquité comme celui-là? Mais ça ne remet pas en cause le fait qu'il ait quand même obtenu Ça ne remet pas en cause, mais ça incite quand même à un peu de gratitude de la part des gens qui ont fermé les yeux sur ça. Alors, vis-à-vis de cette situation, quel est le sentiment, la position du recteur de l'université de Yaoundé? Non, je crois que ça, c'est une question qu'il faudra poser au recteur. Moi, je suis là pour... ma raison d'être ici, c'est de bien faire ressortir les faits. Parce qu'on entend un peu trop de choses dans les médias, et c'est notamment une des manières de communiquer du professeur Weyberg. Une autre chose qu'on lui reproche, j'ai l'impression qu'il flirte un peu trop avec les médias. On va pas, vous n'allez la pas. La médecine ne va pas être mise sur la place publique comme ça. Non. Moi, je pourrais peut-être dire que c'est vous qui êtes fermé, parce qu'effectivement, lorsqu'une affaire comme ça, l'opinion a besoin de savoir. L'opinion a besoin de savoir parce que c'est devenu une affaire. Mais je dis que ça ne devrait pas en devenir une. Ça, c'est une affaire académique qui se règle en milieu académique. C'est ce que je dis. Au lieu de traiter les affaires académiques en milieu académique, on les porte sur la scène. C'est pas un milieu fermé, je veux dire que c'est pas en dehors de... Ah, si, quand vous êtes académique médical, vous savez qu'il y a la notion du secret médical. Si on commence à dire tout, à ce moment, qu'est-ce que ça devient? Vous n'allez pas nous priver du droit à l'information. L'information sur la vie des gens n'est pas une information publique. Et l'information médicale, justement, est ce type d'information-là. Alors, maintenant, selon vous, quelle peut être la suite dans cette affaire? Quelle peut être? La suite. Mais la suite, celle que moi j'espère, c'est que le professeur Weyberg revienne à de meilleurs sentiments, qu'il devienne un enseignant normal, qui ne prenne pas les étudiants en otage, qui ne harcèle pas les étudiants, qui... Ça veut dire vous faire des lettres d'excuses, promettre que désormais l'éponge est passée et va reprendre éventuellement? Non, moi je ne peux pas... Je crois que c'est au-dessus de moi de dire ça. Je crois que c'est d'autres personnes qui pourraient le faire. Et dans ce cas-là, est-ce que le ministre de l'Enseignement supérieur... Moi, je crois que STV a les portes ouvertes pour aller voir... Et vous avez cité l'une des difficultés qu'on a eues. Je vous assure d'ailleurs qu'on a dû user d'un certain nombre d'arguments assez spéciaux pour convaincre le professeur Maurice Aurélien Sosso de nous envoyer quelqu'un ici ce soir. Hein. Non, mais c'est justement ce qui gêne, c'est de mettre sur la place publique les choses qui ne méritent pas de l'être. C'est ça qui gêne. Et chaque fois, les gens vont donner l'impression d'être peu réceptifs, mais c'est parce que ce n'est pas séant que tout soit sur la place publique. Alors, maintenant, en tant que chef du département, quand même, vous êtes certainement, vous appréciez certainement les qualités de médecin du professeur Weyberg. Je veux dire, il ne va pas vous manquer dans votre département. Mais lorsque vous avez cassé gravement un pied, qu'on vous ampute, le pied va vous manquer, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Le professeur Weyberg, comme je vous l'ai dit en d'autres mots, était devenu une nuisance dans le département. Avec toute l'expertise dont il dispose. Mais cette expertise n'était pas utilisée. Et il interdit aux apprenants de venir aux réunions du département, par exemple. Qu'est-ce qu'il apporte finalement au département dans ces conditions? On programme quelque chose. Il interdit aux orthopédistes d'y mettre les pieds. Tout ce qu'on essaie de programmer, il leur donne l'ordre de le faire et il se comporte comme un gourou. À ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Vous le sanctionnez? On ne le sanctionne pas d'une façon autocratique. On suit des procédures dont nous parlons aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose de... d'arbitraire. Alors, au niveau sur le plan universitaire, sur le plan académique, dans ce département, tout au moins pour les apprenants, tout a repris son cours normal. Les choses marchent normalement.
ceux qui devaient... Il faut savoir qu'en dehors du professeur Baïbek, il y a aujourd'hui le professeur Ibrahim Farikou, qui est orthopédiste, récemment promu. Et en dehors des professeurs de rang magistral, il y a des enseignants de moindre grade qui contribuent à l'enseignement. Et n'en demeure pas moins que le professeur Baïbek a quand même été élu 4 fois de suite par les étudiants, meilleur enseignant de cette faculté, la faculté de médecine et sciences bio. On n'est pas souvenant de cela. Enfin, peut-être que je ne suis pas beaucoup d'actualité, mais... C'est pourtant vos enseignants. Hein. Écoutez, la vérité est quoi? Depuis plus longtemps, le professeur Baïbek, très tôt, tient un staff, une réunion scientifique dans son service, tous les matins. Et il tient cette réunion avec les étudiants. Bon, dans un contexte où l'université manque d'enseignants, c'est vrai. Lorsqu'il tient cette réunion avec les étudiants, il leur donne un certain nombre d'informations, il leur donne un certain nombre d'enseignements. Bon, mais ce sont des enseignements qu'il leur donne, et qui, parce que la véritable contradiction ne lui viendra pas des étudiants. Et s'il fait ça depuis longtemps, si vous dites à ces étudiants de voter, ils vont le voter. Si jamais il y a eu vote, je ne sais pas à quelle occasion. Vous voulez sous-entendre quoi, que ces étudiants subissent un lavage de cerveau? Je veux dire que c'est des étudiants qui sont manipulés très, très tôt. Mais autant vous reconnaissez que ceux qui ont été suspendus tout à l'heure sont des adultes, dont doivent assumer leur suspension. Non, là, je parle d'étudiants qui ont leur bac et qui entrent à la faculté. Je parle des étudiants en médecine. Et c'est ces étudiants en médecine qui deviendront des spécialistes demain. S'ils ont déjà été avalés dès les études médicales, ils resteront avalés. C'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont pilotés dès la base. Parce que, à cause de cette réunion matinale, où un enseignant est le seul qui peut dire quelque chose, il n'a pas de contradiction. Mais ces réunions, est-ce qu'elles sont illégales? Est-ce qu'elles sont, anti-réglementaires? Elles sont normales. Sauf que c'est l'usage qu'on en fait qui peut devenir déviant. Elles sont bonnes. C'est-à-dire faire un staff pour enseigner des choses. Par exemple, quand je vous dis là que si vous mettez dans la tête d'un étudiant qu'il ne faut jamais nettoyer une fracture ouverte sans la fixer, cet enseignement-là n'est pas un bon enseignement. Mais si vous le dites à un étudiant alors que vous êtes professeur, que voulez-vous que l'étudiant vous dise? Il n'en demeure pas moins qu'il entretient quand même des rapports assez cordiaux, j'ai failli dire excellents, avec les étudiants. Mais c'est donc pour ça. Qui par ailleurs apprécie. Hein. C'est donc pour ça que nous avons qui fait figure de gourou. Vous savez comment sont les gourous, non? Les vraiment des sectes fleuries dans le pays. Vous savez ce que c'est qu'un gourou, non? Le gourou, c'est celui qui fait faire tout ce qu'il veut aux gens qu'il a déjà assujettis. C'est ça, justement, que nous décrions. Vous n'allez pas non plus... C'est-à-dire, un doyen vient, il dit, c'est les examens, il faut composer. Et un enseignant vient, il dit, ne composez pas. Les apprenants obéissent à l'enseignant qui dit, ne pas composer. Bafouant l'autorité du doyen. Mais le professeur Baïbek est quand même classé dans sa spécialité parmi les meilleurs sur le plan mondial. Qui a fait ce classement? Le classement a été fait. L'un des rares Africains dans son domaine. L'un des rares Africains, c'est-à-dire quoi? Moi, je ne sais pas. Le tout premier orthopédiste au Cameroun, ce fut le docteur. Il est encore en vie, le docteur. Il y en a combien au Cameroun dans cette spécialité-là? Mais je connais Jean-Rodolphe Miem, je connais Baïbek, je connais Ibrahim Farikou. Ça, c'est ceux qui sont déjà au niveau supérieur, mais les plus jeunes, il y en a beaucoup. Il y a Andy, il y a... comment il s'appelle? Ngongam. Il y a Mokom, il y a... Au Cameroun. Et il y a des jeunes que nous venons de diplômer. Il y a Ngoyamben, il y a Eché, il y a... Ils sont déjà un certain nombre. C'est pour ça qu'ils ont pu faire une société. Tiens, pour vous dire combien les rapports entre le professeur Baïbek et ses confrères sont difficiles, les orthopédistes ont créé une société d'orthopédie au Cameroun qui marchait très bien, tenait des réunions, des congrès et ainsi de suite. Depuis quelques mois, tous les autres orthopédistes ont abandonné cette société au professeur Baïbek. Ils sont allés créer une autre, une société parallèle.
à cause d'une difficulté de rapport. Comment vous interprétez ça? Là, nous ne sommes plus en milieu académique. Nous sommes en milieu professionnel orthopédique. Mais pourquoi sur le plan professionnel, justement, on en arrive à la même conclusion, si tant il est vrai que là-bas également, le professeur Baïbek dérange dans ses comportements? Mais moi, je constate un fait, c'est que ses confrères lui abandonnent une société et vont créer une société parallèle. Est-ce que le professeur Baïbek fait également l'objet des mesures disciplinaires dans ce domaine-là, en dehors de l'université, dans ses autres activités, notamment en tant que chirurgien? Je sais qu'il y a des dossiers concernant le professeur Baïbek qui sont allés à l'Ordre national des médecins. Je ne les ai pas suivis particulièrement, je n'en connais pas l'état. Mais de toute façon, je sais que de façon récurrente, le professeur Baïbek a mal à partir avec son entourage professionnel. Par exemple, la plupart des chirurgiens qui exercent à l'hôpital central, il a mal à partir avec eux. À la faculté, la plupart des autres enseignants, il a eu des problèmes avec eux. Vous avez entendu en quel terme un directeur de l'hôpital central écrit au ministre? C'est une lettre de détresse. Et ses autres collègues, vis-à-vis de lui? Collègues, les autres orthopédistes? Oui. C'est eux qui viennent de lui abandonner une société. Enfin, il y a moins 5 ans qu'il règne à la tête de la Socotte, hein, de cette société-là. Oui, mais justement. Donc, moi, je ne sais pas. Il n'est pas seul. Je ne sais pas qu'est-ce qui les a opposés. Je vous fais état de quelque chose qui m'arrive. Moi, je suis étranger à leur société. Donc, alors maintenant, vous avez dit que vous avez été son encadreur. Oui, j'ai été son enseignant. Comme étudiant en médecine, il a eu son doctorat. Puis, lorsqu'il faisait le résidentat de chirurgie générale. Baïbek a été quel genre d'étudiant sous votre encadrement? Un étudiant studieux. Il était studieux. Discipliné, intelligent. Mais la preuve, il a eu... Il n'a pas refait ses classes. Il a eu les diplômes, non. Il a refait ses classes, non, aucune. Non, je ne... Donc suffisamment brillant. Je n'ai pas souvenance qu'il ait repris des classes. Mais on aurait également appris quand même que l'Ordre des médecins aurait convoqué le professeur Maurice Sosso dans l'un de ces dossiers-là. Mais je n'en sais rien. Vous n'êtes pas informé. Alors, mais comment peut-on donc penser qu'un étudiant, bon, je prends le mot sur moi, aussi brillant, on arrive à devenir un professeur, selon vous, indiscipliné, un enseignant indiscipliné? Mais c'est justement ce que je vous parlais d'un phénomène de Frankenstein, que quelque chose qui est très bien conçu, après ça tourne mal et le comportement ultérieur devient ingérable. Personne n'y comprend rien. Alors, au niveau de l'hôpital central, justement, je vais peut-être évoquer une affaire qui dérange un peu. Hein. Il se dit que le professeur Baïbek, oui, à l'époque, paix à son nom, était l'un des médecins qui a suivi Mme Françoise Fonin. Je sais que parce que les services d'orthopédie fonctionnent alternativement une semaine sur deux. Donc, la semaine où Mme Fournier est arrivée, c'est le service du professeur Baïbek qui était aux affaires. Et tout s'est bien passé. Enfin, je ne sais pas si tout s'est bien passé, elle est morte. Donc, je voudrais... vous allez retourner sur Yaoundé, reprendre certainement vos activités avec le professeur Baïbek en face, hein, puisque vous êtes des services assez... vous, quels sont vos rapports avec lui à ce jour, vous, son encadreur? Non, moi, je ne suis pas d'accord avec le professeur Baïbek en l'état aujourd'hui. Notamment, moi, ce que je lui reproche, c'est que il est l'un de ceux qui ont participé à rendre la prise en charge traumatologique inaccessible au Cameroun. Je lui reproche ça parce que je crois que notre rôle de médecin, c'est avant tout de servir le public. Cette affaire de matériel d'ostéosynthèse qu'il vend dans sa boutique d'implants
Et l'une des raisons pour, d'ailleurs pour lesquelles il fidélise les résidents, c'est pour qu'ils envoient les gens acheter. Et quelle alternative? Si les gens ne vont pas chez lui, ils vont où? Et ça coûte combien là-bas? Non, le problème est faussé. Parce que je me souviens, il y a quelques années, le directeur de l'hôpital central a acheté du matériel d'ostéosynthèse, des plaques, des fixateurs externes et des vis. Quand ces choses étaient la propriété de l'hôpital, tout le monde a dit que c'était du mauvais matériel. Il fallait qu'ils utilisent le bon matériel qu'eux, ils avaient. Mais quand le directeur a perdu un peu la vue sur ce matériel, tout ce matériel a disparu. Et aujourd'hui, on voit ce matériel refaire les surfaces dans les mains des... Je veux comprendre. Qui allait acheter ce matériel? Celui que le directeur avait. Oui, le matériel que tout le monde au départ a dit mauvais, être mauvais. Le directeur a commandé, il a saisi une firme, il a commandé du matériel. Et le matériel était à l'hôpital. Et qui a expertisé le matériel quand il est arrivé? Qui a déclaré matériel mauvais? C'est les orthopédistes, puisque ce matériel doit être utilisé par les orthopédistes. Mm-hmm. Quand le matériel était la propriété de l'hôpital, il était mauvais. Après, il a totalement disparu. Il refait surface, on ne sait pas d'où il vient. Il est devenu bon. Donc, il faut comprendre que l'alternative, c'est quoi? C'est que les gens réduisent à la baisse leurs ambitions financières pour que le citoyen puisse se soigner. Je veux dire qu'en dehors du professeur Baïbec, en dehors de cette filière-là, il n'y a pas d'autre. Les patients n'ont pas d'autre choix? Mais ils viennent pas chez vous, par exemple? Moi, je soigne des malades. Moi, je suis chirurgien pédiatre. Ah, d'accord. En chirurgie pédiatrique, l'école que moi je dirige, ce que moi j'enseigne, c'est que il faut opérer exceptionnellement les enfants qui ont des lésions des os. Parce que l'os de l'enfant guérit très bien tout seul quand vous faites des méthodes orthopédiques. Voilà ce que moi j'enseigne. Donc moi j'ai très peu à faire aux affaires d'implants. Il arrive que de temps en temps je dois utiliser un implant, mais c'est rarissime. Mais est-ce que les pouvoirs publics sont pas au courant de cette pratique-là si elle n'est pas... Justement, c'est les pouvoirs publics qui sont en train de frapper là, non? Mais là c'est dans le cadre de... Ça c'est l'enseignant qu'on a frappé, c'est pas le médecin, c'est pas le dans le corps médical. Non, mais... Il y a des tas de manœuvres qui sont faites, il y a des tas de tentatives qui sont faites, et on n'en parlera que le jour où ça sera sous forme d'un texte comme ça. Et on accusera qu'on a frappé trop lourd. Mais il n'en demeure pas moins que celui qu'on décrit donc comme étant un cas assez spécial est quand même l'un des médecins d'un certain nombre d'autres autorités de la République, hein, des personnalités. Mais ceci ne contredit pas cela. Je veux dire que je ressens ça quand même parce que quand j'écoute le descriptif qu'on fait de lui et que je regarde ses performances tout au moins sur le plan de la médecine, j'observe comme un écart. C'est comme si c'est deux personnalités différentes. Je ne sais pas, puisque je n'ai pas un panel des gens qui sont ses patients ou de ceux qui ne sont pas les patients, qui sont les patients des autres. Ce que je sais au niveau du grand public, c'est-à-dire l'homme de tous les jours, quand ces gens-là arrivent à l'hôpital central, ils ne sont pas à l'aise quand on commence à leur faire des factures qui flirtent avec le million. Ça, je le sais. Parce que moi, je suis responsable du service des urgences et ils savent que moi, j'ai une tendance sociale. Ils viennent se plaindre chez moi. Mais pourquoi les pouvoirs publics ne s'en saisissent pas pour sanctionner? Mais voilà les pouvoirs publics, non? Voilà les pouvoirs publics qui sont en train de passer à l'action et on dit qu'ils sont allés trop fort. Et vous estimez que c'est plutôt une sanction à la juste mesure des faits qui sont reprochés? Oui, je crois que ce qui a été fait est légitime. Je le dis, la mort dans l'âme, parce que c'est nous qui l'avons formé. Nous avons échoué en lui. Il aurait pu y avoir sanction pire que ça. Je veux dire, au-delà de la oui, suspension. Il y a la révocation. Le panel des sanctions va jusqu'à la révocation. Donc après ça, il pourrait s'exposer à une révocation. Oui, c'est-à-dire en fonction de l'estimation du jury. Oui, on peut révoquer. Alors depuis que la décision a été prise le 2 juin, est-ce que le professeur a tenté de revenir peut-être dans ce moment? Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu physiquement.
Mais je l'entends beaucoup dans les médias, je crois que ce n'est pas bien. Sur le plan académique, est-ce qu'il a essayé de suivre ses travaux? Non, est-ce qu'il a repris contact avec ses étudiants? En tout cas, au niveau du département, je ne l'ai pas senti. Mais vous ne l'avez pas programmé non plus, puisqu'il est suspendu? Non, je ne peux pas le programmer. Comment je vais à mon tour devenir rebelle par rapport à l'autorité? Moi, j'ai un texte, je l'applique. Donc la vie a repris son cours normal chez vous? Oui, la vie, ça ne va pas trop mal. Alors, je pense qu'on va donc s'en tenir à cela, professeur. Ben, je voudrais vous remercier. C'est moi qui vous remercie. Je voudrais surtout que la vérité soit vraiment mise à la disposition du public, parce qu'on entend trop de choses dans les médias et ce ne sont pas les choses qui sont vraies. Et là, vous avez apporté votre part de vérité. Voilà. Mais avant de vous laisser partir, vous savez que le professeur Baybek voulait faire une conférence dans le cabinet de son avocat, je crois, vendredi dernier. Et ça a été J'ai lu ça sur Internet. Ça a été brutalement interrompu par les forces de l'ordre. Vous savez que ce n'est pas la première fois que quelque chose... Si ça a été fait comme ça, c'est pas la première. Moi, un jour, je suivais une émission de télévision, justement, où le professeur Baybek était en train de passer, et l'émission a été interrompue aussi. Et c'est ça, j'ai dit, il y a quelques mois de cela. J'étais devant l'écran. Mais il faut dire qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas laisser, auxquelles on ne peut pas laisser le public être pris en pâture comme ça. Parce que l'homme de la rue qui entend les choses, est-ce qu'il sait toujours trier? Est-ce qu'il fait la différence? Est-ce qu'il ne fait pas le distinguo? Quelquefois, il est manipulé sans le savoir. Donc, ceux qui sont les tenants de l'ordre public, s'ils pensent que c'était une manière de préserver l'ordre public, je crois qu'ils... Mais je veux dire qu'en même temps, en même temps, au regard de tous ces faits, il est effectivement facile d'avoir le sentiment qu'on pourrait crier au complot contre Baybek. Je veux dire, au niveau de l'université, c'est derrière qu'on lui reproche. Il veut mener des actions, peut-être sur le plan politique, il a l'arme sous la tempe. Au niveau de ses missions en tant que chirurgien, vous venez de dire également que ce n'est pas de tout repos. On peut conclure à l'acharnement. De qui? Contre le professeur Baybek. Quand il a des problèmes dans son parti, il me semble qu'à un moment donné, ça n'a pas été très bien là-bas. Qui est responsable? C'est lui qui se brouille avec les gens. Ce n'est pas un acharnement, en tout cas, ce n'est pas concerté. C'est-à-dire que c'est des univers tellement différents. Le problème, c'est les Français disent le verre est dans le fruit. Que quand le verre est dans le fruit, si vous voulez l'extirper, souvent il faut casser le fruit. Et d'une façon où il ne sera même plus exploitable. C'est ça que nous souhaitons qu'il n'arrive pas. Parce que s'il commence à avoir des problèmes dans le parti, des problèmes à l'académie, des problèmes dans sa corporation de médecins qui font une société. Alors on commence à dire que le seul point commun dans toutes ces difficultés, c'est lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut interpréter ça? Bon, ben, je veux quand même prendre un élément qui n'est peut-être pas rationnel. Alors, le professeur, c'est le ministre qui suspend le professeur Baybek au niveau de ses activités académiques. Mais le ministre est quand même le cousin du directeur de l'hôpital, le docteur professeur Fouda. Le ministre reçoit un avis consultatif d'un conseil de discipline. Le ministre n'a rien décidé. Le ministre a reçu une procédure. Parce que si on commence à réfléchir toujours en termes de arrière-petit cousin, arrière-petit frère, là, la vie devient ingérable. Alors, François Jean-Marie Boboyono, ben moi je vous dis merci. Hein. Merci c'est d'être venu. C'est moi qui vous remercie. On était parti pour faire 90 minutes, mais je pense que l'absence du professeur Baybek ne nous permet pas d'aller au-delà des 60 minutes qu'on vient de faire. Il était important pour nous d'organiser quand même cette émission contradictoire au regard des faits, suffisamment grave. Professeur Aurélien Sossou a accepté d'être représenté ce soir. Je vous remercie d'être parti de Yaoundé. Merci. Je vous souhaite un bon retour. Merci. Et j'ai une fois de plus le regret d'observer que le professeur Baybek n'est pas venu ce soir, alors que nous avons essayé de mettre tous les moyens
tout au moins sur le plan des échanges, pour qu'il soit avec nous pour apporter également éventuellement la contradiction aux arguments qui viennent d'être portés. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. À vous également, je dis merci, avec ce regret de n'avoir pas eu le professeur Baïbek. On espère peut-être qu'à l'occasion d'une prochaine émission, si c'est possible, il sera là pour dire sa part de vérité. Mais notre formule, elle est connue, elle ne va pas changer. Ce sera dans le cadre d'un échange contradictoire. Merci d'avoir regardé cette autre édition d'entretien. À jeudi prochain. Bonsoir. Oh, merci. We'll be right back.